l'équipe du plan lecture de vous accueillir ce soir sous les étoiles. Sous les étoiles pour cette soirée festive qui clôt la 20e fête du livre et le premier festival culturel mis en scène de Bichevillers. Les enfants de Bichevillers se sont plongés dans l'univers des petites poules. Avec leurs enseignants, ils ont découvert le monde mystérieux des petites poules de Christian Heinrich et Christian Jolibois. Ils ont découvert le caractère des personnages, leur humour, les références de l'auteur à des personnages célèbres comme Galilée, les frères Montgolfier. Et les élèves se sont mis à lire. Des heures et des heures de lecture. Arrivés à la dernière page de cette histoire, les élèves se sont mis à rêver. À rêver d'écrire la suite de cette histoire. Et alors, Christian Heinrich est arrivé et leur a donné la possibilité de l'écrire. Et enfin, l'album est né. Il a été édité. Un véritable livre, un vrai de vrai, avec le nom des auteurs marqué dedans. Et le voilà, une étoile est née à Bichevillers. Ils l'ont fait partager à ceux qui n'avaient pas pu l'écrire, mais qui ont pu découvrir l'histoire à la fin. Et peut-être que parmi vous, il y aura de futurs écrivains. Alors bravo à tous ces poussins écrivains, à tous ces enfants qui ont fait rêver aussi les grands. Bravo à leurs enseignants. Et puis, nous espérons lire encore beaucoup d'autres histoires. Colère nous a dit que tant, c'est le souffle de l'homme.
de Mademoiselle Dreyfirst. Le prix coup de cœur qui revient à la classe de PSMS de l'école Asensprung. Le troisième prix qui revient à Loan, CM2 de l'école Erdenberg. Le second prix qui revient à Marion Hurlet de 3e 4 du collège André Mauroy. On les remettra tout à l'heure. Et le premier prix qui revient cette année à une école maternelle, les petits grands de l'école Luberg. L'école maternelle Chérifi. L'école maternelle Asensprung. L'école maternelle Luberg. Monsieur Eckert à l'école maternelle Rebgarten.